Bien, allez, c'est parti. C'est où qu'on clique? C'est là, c'est là. Transition. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes vendredi 19 janvier, il est 21 h. Nous sommes en live pour ce soir faire le travail d'un de mes fournisseurs de services habituels. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. La semaine dernière, ça a été un peu trop compliqué, malheureusement, pour faire ce qu'on avait prévu. Puis au final, j'ai décidé de changer d'avis après avoir reçu la réponse. Donc ce soir, on va parler d'adresse mail, on va parler d'alias sur vos adresses mail, on va parler d'OVH et on va parler de comment gérer vos alias autrement qu'en faisant du clic-clic bouton. Parce que quand on dépasse les 30 alias, ça commence à être chiant. Donc, voilà, je vais vous expliquer un petit peu au niveau des mails comment je fais, comment il faudrait le faire en fait. Hein. Idéalement, en termes de sécurité informatique, on vous dit que quand vous créez un compte sur un service, il vous faut un mot de passe différent pour chaque compte. C'est une première étape. C'est une première étape, c'est déjà pas mal. Mais si vous utilisez toujours, la plupart du temps, quand vous créez ces comptes-là, l'identifiant, c'est l'adresse mail. Plus vous créez de comptes avec la même adresse, plus vous êtes susceptible de vous retrouver avec différents services qui vont revendre vos données, et ces données pourront être agrégées parce que l'adresse mail, c'est la même partout. Sans parler que même si vous utilisez un mot de passe différent, à partir du moment où c'est la même adresse mail sur différentes sources de fuite de données, bon bah on va comprendre qu'il y a un compte qui est utilisé à plein d'endroits, donc on va essayer de le taper partout. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé récemment à ma petite sœur, qui s'est retrouvée à changer tous les mots de passe. Enfin, le mot de passe de son compte Microsoft, enfin compte Hotmail, un des comptes Hotmail qu'elle a, parce que dans l'historique, Microsoft lui disait qu'il y avait eu des tentatives infructueuses de connexion à son adresse. Et que cette adresse-là, elle a servi à deux endroits différents. Bon, voilà. Du coup, donc. Le fait d'avoir un mot de passe différent par service, c'est une première étape. Si on veut essayer de réduire un petit peu le potentiel de pistage en ligne généralisé contre lequel il est très compliqué de se battre, et en plus, un des plus gros générateurs de pognon avec ça, c'est Google, et c'est très compliqué de se battre contre eux, c'est d'avoir une adresse mail différente par service. Et pourquoi? Bah, ce qui est très intéressant, c'est que le jour où vous commencez à être spammé sur une adresse, bah, du coup, vous savez de quel service ça vient. Donc, vous savez si c'est fait éclater ou si jamais l'adresse fuite. Si vous retrouvez une adresse dans une fuite de données, et bah, vous savez qu'elle vient forcément d'un service parce que l'alias est dédié à ce service. Alors, ça fait pas si longtemps que je fais ça, du coup. C'est pas quelque chose qui est généralisé, c'est pour ça que par rapport à plus de la centaine de comptes que je dois avoir en ligne, pour l'instant j'ai que 30 alias, donc on va dire que voilà, il y a encore pas mal de boulot pour essayer de faire le ménage de tout ça. C'est un peu comme certains anciens collègues de boulot maintenant qui ont tendance à. Je sais plus, je crois que c'était. Ouais, Mathieu qui me disait qu'il avait 2 ou 400 mots de passe dans son coffre-fort de mots de passe. Bon, voilà, Bref, donc voilà, je choisis de gérer avec des alias, en tout cas sur ma boîte OVH, sauf que c'est quelque chose, j'utilise le MX Plan, donc qui est l'offre gratuite d'OVH, et c'est une offre, elle est gratuite, et du coup, les capacités sont relativement limitées, et on doit gérer une partie des capacités via le manager OVH. Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué le manager OVH, comment dire?
Je vais vous montrer. Alors, desktop, transitionne. Voilà le manager OVH quand vous arrivez, quand vous connectez à votre compte OVH. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez là-dessus. Donc les emails, c'est dans MXPlan. Ensuite, vous avez les comptes. Ensuite, il faut aller sur le compte. Et après, il faut aller sur configurer les alias. Et là, vous en avez quelques-uns. C'est lourd. C'est très très lourd. Et à chaque fois que je dois en ajouter un, en plus, je l'ajoute. Il apparaît pas encore dans la liste. Il met plusieurs minutes. Quand on rafraîchit, c'est toujours pas pris en compte. Alors qu'en fait, dans la pratique, si. C'est déjà pris en compte. Donc, j'aurais aimé choisir quelque chose, un peu comme j'ai commencé à le faire avec mes entrées de domaine et que je fais de manière intégrée quand je déploie mes machines sur Proxmox ou sur chez Etsner, dans le cloud Etsner. C'est que je passe par le provider Terraform. Je suis allé voir la documentation du provider Terraform. Il n'y a pas la gestion des mails, des alias, etc. Du coup, bon bah le provider Terraform il est open source. Je fais une feature request. Bonjour, j'aimerais bien gérer les alias d'adresse mail pour les MXPlan. Vu qu'on ne peut pas utiliser ce qu'on appelle un alias dynamique, du coup, autant essayer autre chose. Il y a tout dans la il y a tout dans l'API. Je mets même les exemples de récupération, les propriétés qu'il faudrait avoir, etc. La proposition de formatage de ressources. Bon, je me plante un peu dans le. Voilà. Les mecs me disent, OK, on a renvoyé ça à l'équipe produit. Pour l'email, le mec rajoute le label, ok, pas de problème. Donc ça, c'était le 10 janvier. Et donc le 15, ils me répondent. Non, j'avais pas vu. Le provider Terraform n'est pas une priorité pour l'équipe email, donc on ferme le. On clôt l'issue. Voilà, donc c'est un petit circulé, il n'y a rien à voir. On va pas se mentir, j'étais pas content. Je suis pas content, et du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Bah, c'est pas compliqué, hein. Il y a l'API, il y a un module Python OVH qui est fait pour manipuler l'API. On va se le faire soi-même. On va se le faire soi-même. Donc, l'API, en plus, on peut la manipuler. Ils ont un joli swagger. Bon, je suis déjà connecté sur le compte, et en fait, vous avez tout. Quasiment tout ce qui permet d'accéder aux services d'OVH et de manipuler les différents éléments. Et donc dans email, bon, ils ont domaine, ils ont MXPlan, et là dans MXPlan, bah, il y a tout en fait, tout simplement. Et comment? Et donc je me suis dit qu'on allait tenter ça. Et donc et bah, ils ont un module Python. OVH qu'on installe très simplement et après derrière bon bah voilà hein. Il n'y a plus qu'à hein. Alors par contre ça a l'air quand même d'être assez comment dire basique c'est-à-dire qu'en tout cas tel qu'ils font la documentation bon on installe le machin etc. Il faut du Python 3.6 plus, tout va bien de ce côté-là, on doit être à 3.10 ou 3.11. Pardon, fais pas chier, on est sur du 3.10, donc voilà, on est peinard. Et en gros, à part instancier le client où on met le endpoint et les différentes clés d'API, que j'ai déjà parce que je vais réutiliser celle que j'utilise déjà pour mes codes Terraform. Après derrière ça a l'air d'être un petit peu comment dire on va dire brut de décoffrage. À savoir que alors quand il nous donne l'exemple par exemple pour créer une redirection c'est on crée le client OVH. Avec les variables, alors soit on crée le fichier de conf,
En moi, en l'occurrence, je vais charger depuis le. Je vais charger, je vais faire du get env parce que j'ai les variables d'environnement. Donc on va gérer avec les variables d'environnement. Et par contre, ouais, c'est. On dit OK, on fait un get ou un post, et puis après, on met tout le chemin de l'API. Et derrière, on doit mettre tous les champs qui sont dedans. Donc c'est relativement basique, donc je pense que je vais passer par des fonctions pour essayer de me faciliter la vie. On va y aller de manière incrémentale. Et on va essayer on va essayer un peu de comprendre d'abord ce que on peut faire pour. Enfin, comment on va procéder pour gérer les alias? Là, ce soir, on va faire le truc basique, c'est que je veux. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu à en supprimer. Donc je vais pas me poser la question d'en supprimer. Par contre, je veux en rajouter. Et je veux gérer une liste. Donc ce que je pense faire. C'est que. Alors, on va se refaire un petit truc. Alors, ça, oui, ça, on a fini du coup. Ça, j'ai réussi à finir. Alors, le WordPress, j'ai tenté un deuxième site, ça n'est pas passé. Donc, je laisse tomber plus tard. On va déglinguer. Est-ce qu'on peut pas le. Il n'y a pas un truc, on peut. On peut repartir from scratch. Non, bon, on va faire ça, puis on va tout supprimer. Hop, puis on n'a plus besoin de ça non plus. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux faire une liste de mes alias. Donc, il va y avoir alias 1. Alias 2, etc. Derrière, mon code Python. Il va aller interroger l'API OVH. Il va aller interroger, donc ça c'est mon. T. Hop. Donc on va lire la liste des alias. Ensuite, aller interroger l'API. L'API répond. On va récupérer la liste complète. Oulou, ouais, t'es gentil. Alors non, c'est peut-être plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait le faire. Hop, un truc comme ça. Je suis très mauvais en visualisation, hein, c'est affreux. Ne me demandez pas de faire des schémas, je vous jure. Idéalement, ça va être ça. Hop, on va faire un truc comme ça, c'est que. Le code Python récupère la liste des alias, il récupère la liste complète existante, pitié, de l'API d'OVH. Il compile, il récupère les nouveaux alias, enfin, il en déduit les nouveaux alias, c'est-à-dire qu'il fait une comparaison entre les deux. Et y créer les nouveaux alias dans l'API. Et à la fin, si tout va bien, on est censé avoir. On peut refaire un dernier check en disant on a la liste complète. Est-ce que la liste des alias, ça match? Donc voilà, ça c'est vraiment le truc de base. Je vais y aller par étapes, c'est-à-dire que je vais d'abord. On va d'abord créer la première étape qui est de dire on va se faire les fonctions pour dire on récupère la liste complète parce qu'en plus il faut qu'on y aille par étape quand on regarde le dashboard. Il faut d'abord qu'on récupère
La liste des MX plans. Alors en fait, non, je pense que le MX plan, je vais le passer en variable directement parce que j'ai pas envie de commencer à dire je vais parcourir tous les MX plans, ça va être un bordel. Je vais directement passer l'ID. On l'a où? On l'a là, l'ID de. L'ID du MX plan. Donc je vais prendre ça et cet ID là et je vais le. Comment je vais directement me le mettre en variable aussi. Comme ça, on fait directement ça. Ensuite, si je fais pas de bêtises. Bon, en fait, j'avais déjà fait. Là, on récupère tous les détails. Et après, normalement, si on fait un get aussi des comptes, on est obligé de repasser l'ID du service. Donc, du coup, il faudra que je passe aussi l'adresse mail. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que ça va, on va directement passer sur ce truc-là. Encore que non, j'ai pas forcément besoin en fait. Si je passe sur l'alias principal. Ouais, va des rétros. Non, en fait, je peux directement aller récupérer la liste des alias. J'ai pas besoin de chercher toutes les propriétés précédentes. Mais il me faut quand même, dans la liste des alias, l'adresse email et le service. Donc, bon. Partant de ça. Derrière, après, j'ai quoi? J'ai post et delete. Donc, post pour créer un nouvel alias, delete pour supprimer l'alias. Donc, j'ai juste besoin du get alias. Si je fais ça, je récupère la liste des alias. Le post, c'est pour poster le nouvel alias. Donc, on a l'alias à rajouter là. Et c'est tout. Honnêtement, pour nous, c'est tout. Donc en fait, ouais, j'ai même pas besoin j'ai même pas besoin des entrées précédentes. On va directement aller au plus près. Parce qu'on n'a pas besoin de récupérer les autres propriétés, parce qu'au final, on a juste le nom du service à remettre et et l'adresse email. Comme on va garder tous les trucs de base dans le. Je vais y arriver. Dans les variables, en fait, j'ai juste besoin que de ça. Et après, on verra comment on gère la génération ou la gestion des nouveaux alias. Ouais. Donc, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors, je crois que j'ai déjà instancié le dépôt. C'est ça. J'ai déjà instancié le dépôt. J'ai pas encore fait de nouveaux fichiers. Alors, on va faire OVH. On va l'enregistrer tout de suite. OVH mail alias. Pareil, comme ça, on a déjà le formatage. Python 3, on a besoin de OS et on va faire aussi un OVH. Alors du coup, comment il marche le truc? Importe OVH, ok, on s'emmerde pas. On va se faire un petit. Un petit requirements.txt pour faire l'installation. Bon. On va se faire tout de suite le petit reminder. Tenu-mv-env.env, source.env-bin-activate. Pip install-upip et pip install-r-requirements.txt. Comme ça, si jamais on a besoin d'autres trucs. Voilà. Alors, on va se faire peut-être une première version où on va passer l'alias à la main pour qu'il le crée.
Je pense que c'est ce qu'il y aura de plus simple. Alors, comment on passe les paramètres? Comment on utilise un truc pour passer les paramètres? Je me souviens plus. Alors, c'est pas grave. On va. Alors, du coup, vu que j'ai fait ça, il va peut-être falloir que je le fasse. Hop. Source. Alors, il faudra peut-être que je zoome un peu parce que pour vous. Hop. Source.v1 bin activate. Type install-pip. Hop. Là, pip install-r recoverments.txt, il collecte OVH, il récupère tous les autres. Parfait. Donc là, on a le truc de base. Ensuite, alors ça, c'est pas sur votre écran, mais je me le mets de côté. On a besoin. Ça, je vais le fermer. Il nous dit quoi? Au niveau de la doc. Au niveau de la doc, il nous dit. Si on revient au début. Bon, on va faire ça, on va reprendre ça. On va déjà vérifier que mon truc marche. Client, le endpoint, on va garder ça. L'API key, on va faire un os.getenv. Alors, getenv2. Donc c'est OVH application key. os.getenv de OVH application secret et la consumer key et os.getenv de OVH consumer key. Voilà. Donc ça, j'ai déjà. On va déjà se faire ça. On va déjà se faire ça. Hop, on va revenir là, on va se le mettre là comme ça. On va faire un source.env. Et du coup, on va faire un Python 3.slash OVH Python. Et donc là, il me dit que OVH Application Key n'est pas. Pourquoi? Donc là, il me dit que. C'est con. Je fais pas assez de. Désolé. Oh, vraiment, hein, c'est le genre de truc. Voilà, donc welcome Sébastien. Donc là, voilà. Donc la clé, l'accès à l'API fonctionne. Déjà, on a déjà cette première étape-là. Bon, du coup, évidemment, hein, je vais virer ça. Alors, on a ensuite le mxplan name égale. On va faire, on va rajouter une OV, un os.getenv de OVH mxplan name. Et on a le mail account. OS.getenv de OVH mail account. Voilà. Et donc moi, je vais me rajouter dans mon fichier, je vais me rajouter mes exports de ces deux trucs-là. Alors je le fais en dehors de l'écran hein, parce que j'ai pas envie de partager. Déjà, je partage mon adresse mail et mes clés, donc. Sur le papier, il aurait fallu que je passe par autre chose pour par un autre compte, histoire d'avoir la paix. Mais bon, là, comme c'est quand même pour mon compte à moi, c'est pas si grave que ça. Alors, le mxplan name, on a dit. N là. Hop. Voilà. Et export OVH account.
Donc pour rappel, un alias, c'est juste, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on ne crée pas une deuxième boîte indépendante, ça continue de tomber dans la boîte, mais dans votre boîte principale, c'est juste que le service en face à qui vous renseignez une adresse n'est pas votre adresse principale, mais cet alias. Et donc le jour où vous voulez déglinguer le service, vous déglinguez l'alias, et si jamais le service essaye de renvoyer du mail sur l'alias et que l'alias n'existe plus, ils se prennent un truc comme quoi l'alias n'existe plus, et donc comme ça, vous ne risquez plus de recevoir de mail à cet endroit-là. Alors, du coup, oui, donc ça c'est fini. Alors, j'enregistre, je ressource, parce que du coup, j'ai... Alors, pitié, merci. J'ai bien récupéré ma variable mxplan, donc je vais pouvoir maintenant. Et le OVH, alors c'est mail account, donc j'ai fait une connerie. Bon, on va le faire comme ça. Ensuite, du coup, on a dit qu'on voulait se créer des fonctions. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin. On va se concentrer pour l'instant sur la partie API. J'ai besoin de récupérer la liste complète. Pour ça, je veux faire. Je veux faire une fonction qui me fasse tout ça de manière simplifiée. Donc, on va l'appeler fonction get current aliases. On a besoin pour cette fonction de lui passer mxplan égale mxplan name. Hop. On a besoin de lui passer le mail account. Et c'est tout. Quoique, est-ce que ça va marcher? On va bien voir. Du coup, client.get, puisque c'est un get, on a dit qu'on allait chercher dans l'OVH API le get alias. Donc on a ça. On va le faire comme ça. Return client.get, un truc dans le genre. Oui, je sais, j'achèterai plus tard. Et du coup, on fait un print de get current aliases. Bon, ça marchera comme ça. Fonction get current aliases add 0 machin. Ah. Pourquoi ça marche point? Est-ce qu'il faut lui passer le client, c'est ça? On va faire un client égale client. Non, ça ne marche pas. Bon. Faire ça peut-être. Non,
Oh. On va simplifier le boulot. On va le faire comme ça pour l'instant, c'est-à-dire qu'on va... Hop. Pourquoi j'ai pas de wrap, moi, sur mes histoires, là? Alors, non. Non, non, c'est ça. Déjà, pour commencer, et... ou alors ça passerait pas avec le formatted string, il faudrait passer par le... Par le pourcent %s avec le truc comme ça. Ou alors je formate le... Je mets le... alias getURL égale... Un truc comme ça, ça marche ça? Puis là, je mets alias getURL, il y a peut-être un truc qui lui plaît pas dans le... Bon, là, voilà, j'ai une erreur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, c'est à cause de ça. Pouf. Et puis ça n'existe pas, donc on va faire ça comme ça. Alors c'est pas vardump, merde, je me souviens plus comment on fait pour... ça va être ça. Hein. Ah oui, d'accord, donc il y avait un problème avec le fait de mettre l'alias, ou alors c'est le fait de le foutre dans la fonction. En tout cas, ça marche. Et comme je suis amené à l'utiliser plusieurs fois, j'ai vraiment envie de me faire un... Et si je fais ça, du coup... Ouais, bah oui, c'est quoi? C'est un non-type. Ah oui, d'accord. Ah! Donc on récupère un truc comme ça, mais il considère que c'est un... Bon. Ok. C'est intéressant. C'est original. Je sais pas comment ça va marcher, mais c'est original. Pourquoi? Normalement, c'est censé renvoyer un truc en formaliste, cette histoire. Response classe. Ah non, c'est un string. Ils sont sérieux? Ah non, c'est du JSON. D'accord. En fait, il faut... Oh la vache, donc il va falloir que je fasse ça. Un import de JSON. Et après, je fais le print de JSON.dump d'alias list. Il nous dit un dent égale 4. Donc ça permet de l'avoir visuellement très beau, mais syntaxe. C'est mieux. D'accord, ok. Donc c'est du JSON en fait qu'on récupère. Mais comme c'est envoyé sous forme de string, et ben en fait derrière il le traite pas comme un JSON, ce qui est normal. Et du coup, je peux le faire comme ça, en fait. Non? Je fais un json.c.load, hein, c'est ça. Ça va passer, ça. Oula. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? json.load de client get alias getURL. Return loans de fp.ra attribute list as no attribute read.
Ouf. Ouais, je fais vraiment pas assez de Python. Attends, je peux faire un gfn.dump. Bon, c'est quoi les trucs je me sens... En plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé... Parce que là, bon, ce serait... C'est pas point A, point loads. Non, c'est pas ça. Non plus. Ah, intéressant. Donc là, il nous dit que, machin, le JSON object doit être en string array, d'accord. Et en fait, on récupère une liste. Donc, ce serait déjà une liste, mais il se fout de ma gueule. Pourquoi il me dit que c'est un JSON type, alors, du coup Cela, c'est... Du coup, si... Ah, attends, si je tente un truc différent, du coup, ça fait quoi si je dis ça c'est quoi? C'est comme ça? Je sais plus. Il me semble, hein. Oui, bah oui, oui. Je comprends pas. Ça qui est ouf. Me dit que le truc est en liste. Alors je fais, du coup, je fais comme je fais type. Non, c'est pas type, c'est quoi? Ah oui, si je fais juste alias list comme ça, il m'envoie rien. Donc il me dit que c'est un non-object. Quand j'essaye de faire un json.load... Putain, elle est quand même fort de café celle-là. C'est-à-dire que... Quand j'essaye de faire un json.load, il me dit que c'est une liste. Mais quand je demande de m'afficher le premier objet de la liste, il me dit non. Ah, je pète un câble, hein, sérieux? Oh là là, oh là. Ah, je dois quand même. Parce que là. Sinon, il faudrait que je le fasse un peu dégueulasse, mais... non, ça, j'ai plus besoin de ça pour l'instant. PHP, il fait comment? Il fait un OVH get, d'accord. En gros, il le fait avec un get machin. Ouais, content type, application JSON, bah alors. Pourquoi il me dit que c'est un non-type derrière le machin? Je fais une connerie ou... C'est bien client.get, d'accord. Non, ça c'est le poste. Ouais, par contre, dire que ça me renvoie une string, c'est quand même assez.
en Python, je me souviens plus comment on affiche le... Je me souviens plus du truc. Ouais, pourtant c'est type, hein. Le type me renvoie rien, c'est ouf quand même. On va remettre le json.dump. De alias list. Type de alias list parce que... Alors, il y a un délire là. Alors je fais json.dump, ça passe. Du coup, il faudrait que je le fasse comme ça plutôt. Pourquoi type il me renvoie rien, c'est ouf ça. Ouais, et là je l'ai bien. Je l'ai bien. C'est que si je peux pas itérer sur le truc et que si j'ai pas ça en liste. Parce que c'est quand même fou ça. C'est quand même dingue, je... Je vais pas y arriver ce soir. Ça va être terrible cette affaire de buter sur un truc pareil. Tout ça parce que j'ai décidé de le faire en Python. Je le ferai en Bash, je suis sûr, ou même en PHP, ça passerait mieux. Pour la blague. Parce que là, j'ai un délire quand même. Je devrais vérifier. Ah mais je suis con, putain. À tous les coups, ça va être ça. Vous le sentez le... Voilà. Hein ? Voilà. Oh là 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 là. Bon. Alors. Ok, donc en fait en faisant du json.load de json.dump,
On a notre liste. On a notre liste. Du coup. Donc ça, c'est ce qu'on récupère. Alors le problème, c'est que comment je fais? Parce que le souci, c'est que ouais, si je fais que de l'incrémental, ça va. C'est-à-dire, j'ajoute un alias dans la liste. Le problème, c'est que comment je fais le distinguo entre les deux? Soit je suis un bourrin et je dis je prends chaque élément de ma liste fichier et je parcours toute la liste des alias. Vous le sentez un peu? Je parcours toute la liste des alias que je récupère pour vérifier si c'est dedans ou pas, et je construis une liste des alias qui n'existent pas encore. Soit c'est pas très optique quand on va commencer à avoir beaucoup de trucs. Soit je trouve un moyen de faire des comparaisons de listes simplifiées. Et je pense que ce soir, ça va être mort. Déjà, vu comment je galère pour faire ne serait-ce que récupérer la liste. Alors, on va revenir sur la définition. Get current aliases. Donc, il faut lui repasser le client égale client. OK. MXPlan égale MXPlanName. On va refaire ça. Hein. De toute façon, on va pas... Alors, on va revenir là-dessus. On va le refaire comme ça. MXPlanName égale MXPlanName. Account égale. Pardon. Mail account. Hop, alors. Donc on va reprendre ça. Cette fois par contre c'est MXPlan et là c'est juste l'account. Alias list et on va essayer de json.loads de json.dumps. Voilà. Hop. Voilà. On fait un return de alias list. On va le faire comme ça. Et on va faire un print de ça. Fonction getCurrentAliasy. Donc le return me renvoie pas la liste à la fin. Il est sérieux? Je dois être trop con, c'est pas possible. Je dois être un boulet. Hein. Je dois vraiment être un énorme boulet. Eh ben. Qu'est-ce qu'il me fait là? Classe fonction.
C'est ouf quand même ça. Il faut que je le fasse comme ça. Je suis un... Ah. Butez-moi. Alors, alias GetURL, oui, bah oui. Chien boulet! Et donc, si je fais ça... Voilà, j'ai ma liste. Ok, donc maintenant, on sait... C'est parce que juste, je sais plus comment on appelle les fonctions. Je sais plus comment on appelle les fonctions, c'est terrible. J'ai... Butez-moi. Ou faut que j'arrête l'informatique, je ne sais pas. Non, en fait, il faudrait que je fasse du Python plus souvent qu'une fois tous les 3 mois, voire 4 mois, et ça passerait beaucoup mieux, en fait. Donc, on a ça. Donc, on a notre première fonction. Parfait. Il faut qu'on crée une deuxième fonction. Il faut qu'on crée une deuxième fonction, du coup, qui cette fois s'appelle create new alias. On repasse notre client. On repasse le MX plan. On repasse l'account et cette fois on lui passe le new alias. Donc on va faire notre alors je vais reprendre ce truc là. Hop, on va faire un alias. Cette fois c'est un post URL mxplan account. Alors, le poste, le chemin, c'est account email alias. C'est la même adresse, mais bon, c'est pas grave. On est sur un create new alias, et comme on va faire un poste, on fait un poste. Et donc, alors. Finish date. Ok. To do date status. On a en cancel doing done error to do. Ok. Ok, donc vaut mieux passer une valeur par défaut marquée alias égale none, comme ça l'API gueulera moins si jamais. Ah oui, non, ça c'est dans le... Ok, oui. C'est plutôt dans le poste en fait, alias égale none. Ah non, c'est un poste, donc le alias... Ok, oui, donc en fait... Oui, donc non, c'est encore plus loin.
pardon, tant pour moi. Du coup, alias création égale on refait le json.load de json.dumps de client.post. Donc cette fois c'est le alias posturl virgule alias égale new alias. Semble qu'on le fait comme ça, hein, si on fait ça. Parce que là, c'est le truc de base, tu crées le cube machin. Du coup, qu'est-ce qui se passe si jamais t'as des... Non, bon. Ouais, bon. Bref. Alors, ah, ok, il n'a pas aimé, effectivement. Voilà. Return. Si je fais un alias. Alors en fait, ce qu'il renvoie, c'est quoi du coup? Je pense qu'on on va falloir qu'on crée un nouveau. On va peut-être la tester. Response class. Ouais, ça a l'air de. C'est censé être du JSON aussi. Hein. C'est censé être du JSON. Parce que du coup derrière il fait un json.dump aussi, mais bon il faisait déjà du json.dump et on avait le problème au début avec le bordel qui était en non-type ou en string. Donc j'ai du mal à faire confiance au truc, c'est ça qui est un peu chiant. Alias création json client.post de alias, ok. On va faire un return alias création. On va être bourrin, on va se faire le... On va le faire en dur dans un premier temps pour le tester, le bordel. Ah, ça va gueuler là. Ouais, bingo. Non default argument follows default argument. Ouais, et alors? Quoi, faut juste que je. Ou je le mette au début plutôt qu'à la fin, c'est ça? D'accord, ok. Donc du coup, là, il gueule. The requested object email égale MX plan. Oh! Ah oui! Oh l'horreur!
Ah, c'est mieux. Non, bad parameter, alias invalide. Pourquoi l'alias il est invalide? Parce qu'il y a test dedans à tous les coups. Ça, on n'en a plus besoin. New alias, machin, print, create new alias. Hop. Ah alors je suis con. Oui, certainement, hein, je commence à avoir l'habitude, mais client.post, le premier truc c'est le chemin vers l'alias, donc ça c'est bon. La chaîne imexplant machin, et après on fait un alias égal, et là on a l'alias. Et là, il me gueule dessus en me disant que l'alias c'est pas bon. C'est parce que le test alias lui plaît pas en termes de non. Alias invalide. Ah ben en voilà une. Merde. Bon, bah, on va demander à Google, hein, comme d'habitude. Alors. Alors là, c'est invalide signature, donc c'est encore pas la même chose. Ah, génial, personne n'a eu l'erreur déjà, ça, c'est un bonheur. Hop. C'est parce qu'il faut que je force le fait de mettre le contenu de l'alias en. Merde, putain, je vais y arriver, hein. Faut que je force à mettre le contenu de l'alias en string là, c'est ça qui lui plaît pas. Bonne question.
si on force le... En le faisant comme ça. Ça commence à faire beaucoup de parenthèses, hein. Ouais, non, alias, on valide. J'ai aucun problème pour lister les trucs, mais par contre, il en veut pas pour... Pour créer un alias. Pareil dans les issues, personne. Ouais, bah oui. Tiens donc. Ouais, donc je prends bien une erreur 400. Et pourtant... Bon, on va le tester avec ça, hein. Ah ouais, non. Alias invalide. Ah, d'accord, donc ça vient pas de moi. Pourquoi ça vient pas de moi? Non, ça c'est le get. Bon, déjà, a priori, le problème... Ok, le problème vient pas de moi. Ah, mais c'est génial, ça, putain, il n'y a rien qui va, c'est ouf. J'ai plus le bouton là qui me permet de dire dans les trucs avec la les...
quoi, Firefox View, ouais, c'est ça. Se le mettre quelque part par là. Hop. Onglet récemment fermé, OVH. Hop. Il se passe quoi là si je tente de configurer un alias et d'en rajouter un? Là il nous dit certains caractères spéciaux ne sont pas acceptés, d'accord, jusque là tout va bien. Et là ça passe, il se fout de ma gueule. Je vais regarder un truc au niveau. Est-ce que je peux faire dupliquer l'onglet? Oula. Oui. Pardon. Oh l'admin. Donc j'ai pas de, de problème avec ça. SV Python, il l'a créé, putain, et c'est ouf quand même. C'est-à-dire que via l'API, ça déconne, mais via le manager, ça passe. Ouais, bah, ce que je parlais, c'est que là, actuellement, j'essaye de... Ah oui, mais il affiche pas tout. Le SVE Python n'apparaît pas dans la liste. Ce qui veut dire que là, je peux même pas le supprimer. C'est beau, hein? Alors, si je tente de le supprimer depuis là... SVE Python does not exist. Ah, ah mais non! Il va le vouloir en entier à tous les coups. Oh. Comment on fait un Python extract the name from mail address. On va le faire comme ça. Truc simple. Test tester machin outputgeek.com. Ouais, c'est ça. Donc on peut faire un test tester de machin arrobas plus un deux points. Ah, j'avoue.
Sinon, on fait un split. Ouais, voilà, c'est ça. Mail account pour un split. On dit qu'on prend le arrobas en caractère. Et on veut ce qu'il y a après. À tous les coups, ça va être ça. Ça va être affreux, mais ça va être ça. Alors, ça, c'est pour le créer. Oh là, oui, non, j'ai fait n'importe quoi dans l'écriture. J'ai fait n'importe quoi dans l'écriture. Ah oui, non, c'est très con ça. Ouais, c'est pas. On va faire ça. Voilà. Et puis ça, on peut le faire comme ça. Ce sera pas grave. Pardon. Pardon, pardon. Alors là, on est en statut tout doux, parce qu'il vient de créer l'alias. Ce que je peux faire, c'est de créer une nouvelle fonction. Get new alias et on va rajouter le new alias le get url machin slash new alias. Un alias status du get url. Hop, voilà. En vrai, à partir du moment où on traite pas le comment, à partir du moment où on traite pas le résultat plus que ça, je pourrais faire directement un return json.load de json.dumps. Bref. Donc du coup, ça c'est fait, je vais faire ça, et je vais juste check new alias, et on va faire un print de get new alias de, je vais garder ça, hop, de new alias, et si je fais ça, là j'ai le, alors non, il a merdé un truc.
Ah oui, non, parce que oui. Pardon, autant pour moi. Task pending 0, creation date machin, alias machin. Ok. Alors, ce qui m'emmerde, c'est qu'il fait un ID comme ça avec un statut tout doux, et derrière, quand on interroge l'alias, on a juste un creation date avec un task pending ID. Donc, à mon avis, s'il est à 0, c'est que l'alias est créé. Donc, ce que je pourrais éventuellement faire, c'est que quand je crée l'alias, plutôt que de directement retourner qu'il a créé l'alias, c'est de patienter et jusqu'à ce que l'alias soit marqué créé. Donc si le task pending ID, si je load le résultat de ça, oui c'est vrai qu'en fait il aurait fallu que je fasse ça pour être peinard. Donc là si je fais ça, voilà, j'ai l'alias, le SVE Python machin. Ok ok, bon. Et du coup, là si je fais un delete tout de suite de ça, alors, je refais le delete. Et là, je fais ça. L'alias existe encore. Et là, il me dit que not found. Ok. Ok, ok. Bon. J'ai mes deux fonctions de base, même les trois, parce que derrière, je peux vérifier le statut du truc, qui fonctionnent. Maintenant, je veux gérer une liste. Je veux gérer une liste. Donc ça, c'est la deuxième étape. Enfin, la deuxième grande étape. Je suis déjà dans l'OS, donc je pense que je vais pouvoir... Pouf. On va virer tout ça. Enfin, on va virer tout ça. On va garder nos... Je vais commenter tout ça pour l'instant. Alors, on va faire... Je crois que c'est... comment on fait pour boucler sur un... Je me souviens plus, hein, honnêtement. On a quoi? Fopen machin. Ouais, non, ça c'est un vieux truc. Tac, tac, tac. Directory listening, une moderne Python version. Machin. Donc ça c'est... Ça c'est directory, on s'en bat les couilles. File pattern, file pattern. Archiving, on s'en fout. Creating archive, on s'en fout. Je veux juste Python with open. Voilà. With open as F. Et donc, si je fais ça, je fais ça. On va faire un with open. Donc, on va mettre un aliasis.txt as F. Voilà. Donc là, je lis le fichier. Je veux lire le fichier. Je veux lire le fichier. Alors, soit je lis tout d'un coup. Le truc, c'est que si je fais ça... f.read... ça, c'est les trucs de base. Mais... Non, non, non. Gestionnaire de contexte et instruction with en Python. Ok. Machin, with machin, f.write. Ok. Donc, c'est pas l'écriture qui m'intéresse. Moi, je veux voir si on a la lecture faisable. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Non. Non, d'accord. Donc, je veux juste de la lecture simple.
read line by line. Hop. Faire ça comme ça. Donc comment il fait? Lui, il fait directement un open et après il fait un read line. Ah oui, donc en fait il remplit un fichier, enfin il remplit une liste et après il fait for line in line. Ok. Ouais, bon, on va le faire comme ça. Si on fait ça. For line. Alors, en fait, on va faire un aliases égale f.readline for alias in aliases. Alors, on va faire un truc comme ça. Alors en fait, on va quand même avoir besoin du get current aliases. Je vais faire ça for local alias in local aliases, parce que le problème c'est que si jamais je rate mon coup, je vais quand même avoir besoin. Hein? C'est pas du tout optimisé, c'est-à-dire que je vais prendre le... Comment ? Je vais prendre chaque élément de la liste locale et je vais tester si elle est dans la liste en cours. Et si elle n'est pas... Alors d'ailleurs, je vais... Hop, on va créer une nouvelle liste. If... On remarque qu'en fait, non, je peux... Si tu fais un current aliases égal... Je peux peut-être tester directement... Avant de faire une boucle for, je peux peut-être directement if... local alias not in current aliases. Et là je peux faire normalement, je peux faire new alias plus égal, il me semble que je peux faire ça, hein. J'arrête de faire les conneries. New alias plus égal local alias. Et à la fin, je fais un print de new alias pour voir ce qui se passe. Du coup, maintenant, on va créer un nouveau fichier. On va quand même. Alors, puisque je suis censé ouvrir aliases.txt. Aliases.txt. Donc on l'enregistre. Normalement, je l'ai viré, hein, le SVE Python, je l'ai déglingué. Hein. Oui, il n'y en a plus. Ok. Et je vais en prendre un qui existe. Je crois que c'est SVE Slack. Voilà. Alors, new alias is... Not defined. Il se fout de ma gueule ou... Oui, bah oui, parce que c'est new aliases. Oh, le boulet. Ouf. Ok.
Bon, ça s'est pas bien passé du tout. Alors, ça s'est pas bien passé du tout. Alors, print type de current aliases. Je fais un readline, donc normalement, print local alias, c'est dégueulasse, hein, mais tant pis, hein. Type de local alias. Alors là, je bug. Parce que le in, il fonctionne pas sur la liste. Je comprends pas. Quand je fais le plus égal, en fait, il me le met. Faut être trop con, hein. Je dois vraiment être trop con, c'est pas possible. Je sais plus. Oh la vache. Ok. C'est parce qu'il faudrait que je le fasse comme ça. Ah, alors le premier. Alors déjà, ce qui m'emmerde, c'est que le SVE slide. Mais oui, mais à chaque fois, je le fais exprès. Hein. Je le fais exprès. Alors déjà, est-ce que Python readFile strip and offline. Tac tac tac, c'est point airstrip, c'est ça. Je vais en mettre trois des alias parce que deux, j'ai l'impression que. Qu'est-ce que j'ai dans mes alias actuellement? Un Kickstarter par exemple, allez hop. En fait, je vais faire ça, il faut. J'ai merdé mon truc tout à l'heure encore. Hein. Je suis resté sur le même délire où j'oublie de que l'alias il est complet. Donc du coup.
complete alias égale. Il fait quoi? On fait un. C'est quoi airstrip? Non, ça je m'en fous. Non, quoique non, c'est ça. Hein. C'est le new line. Hein. Ok, bon, il a pas aimé. Non, mais j'en ai rien à foutre. Hop. Ouais. Donc je peux faire un read en mettant le replace de anti/slash n avec des espaces. Ouais, mais ça j'aime pas. Si je veux juste stripper le truc. Ok, donc c'est sur. En fait, c'est un. Le rstrip, c'est sur string. Donc en fait, je peux le faire là directement. Donc je peux faire. Point rstrip. Plus, on va le faire comme ça. Hein. Oui, non, parce qu'on avait dit que le domaine, on l'avait mis dans le. Hop. Parce que là, comme je mets une fonction là-dedans, ça pourrait être un peu dégueulasse. Je suis pas sûr que le formatted string aime bien le fait de rajouter la. Je suis mauvais. Alias plus. Bien, vous savez quoi? Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire, alors, je rappelle qu'en plus j'ai vraiment zéro gestion de. Comment de la. D'erreur. Hein. C'est du quick and dirty, mais c'est pour dire qu'on peut y arriver. Donc il a bien parcouru les trois objets. Les trois alias complets. Et il m'a bien créé une liste avec seulement le. Comment? Seulement le nouvel alias. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit. J'ai plus qu'à créer. Alors déjà, bon, on va se calmer un petit peu sur le. Voilà. Hop. Une fois que j'ai ça, donc je vais enlever le print. Hein, c'est plus ça. C'est la magie des. La magie du debug à l'ancienne. Donc, je récupère mes alias, je lis le fichier. Bon, honnêtement, là, pour le coup, je charge tout.
tout d'un coup, parce que j'ai pas besoin de lire ligne par ligne indépendamment, on n'est pas non plus sur des grosses données, l'optimisation de la mémoire, voilà, on n'en est pas là. Donc je dis, je récupère l'alias dans la liste de lignes que je récupère. Alors comme c'est du texte et qu'il me reprend le retour à la ligne et que je mets que le préfixe, il faut que je formate ce que je veux chercher. Donc je crée la version complète de l'alias en supprimant le retour à la ligne et, hein, c'est ce qu'on avait là, on voyait le anti-slash n, le airstrip, il supprime le anti-slash n. Et je rajoute mon domaine. Et ensuite, je cherche si l'alias que j'ai créé est dans la liste de mes alias courants. Si c'est pas, j'alimente ma nouvelle liste, enfin, la liste des nouveaux alias à créer avec ce nouvel alias. Et donc je boucle comme ça sur toute la liste. Donc on a vu qu'il a bouclé sur les trois. Il a bouclé sur les trois et à la fin, j'ai affiché le résultat. Et le résultat, c'était coucou. J'ai que celui-là à créer. Donc la dernière étape, c'est boucler sur cette nouvelle liste et appeler le create new alias, tout simplement. Et puis à la fin, on va faire un get new alias de chaque new alias. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on fait un for new alias in new aliases. Ah oui, et là on l'a déjà en version complète, donc on n'a plus qu'à faire juste create new alias de new alias. Donc là on boucle dessus. Est-ce qu'on veut quand même la réponse? La réponse du todo? Ouais. Donc on va faire un print du create new alias. Parce que le new alias il nous renvoie l'alias création. Donc on va faire ça. On va print le create new alias. Et comme ça on voit la création du truc. Ah, mais en fait, c'est un ID de tâche qu'on a. Fonction add alias. Ah ouais, donc en fait, c'est ailleurs, ça. Si on veut récupérer ce truc-là, ça va être quoi? C'est... Ah ouais, et donc ce qu'on avait tout à l'heure, si je le récupère là et que je fais ça... On a le statut et on l'a en donne. Ah ouais, mais oui. Donc en fait, on pourrait faire ça. On pourrait boucler. En fait, dans la fonction create new alias, plutôt que de juste une fois qu'on a ça. On peut faire while donc on fait un status égal to do while status n'est pas add, c'est done, hein. Le statut c'est done, ok.
Donc tant que le statut c'est pas done, TaskID égale c'est quoi, c'est alias création de ID. Ça doit marcher, je pense. Alors, comme ça. Client.get. Ah ouais, mais j'ai pas l'URL. Merde. Où est-ce qu'on se fait un... Une petite fonction def get task status. On va reprendre le truc de base de ça. Et en fait, on va dire task ID, on va le faire comme ça. TaskGetURL, l'OVH c'est quoi? Email plan machin, TaskID. On va le faire comme ça. Oui, non, c'est juste task slash TaskID, on va le faire comme ça, voilà. Task status égale JSON machin machin de task get URL et on return le task status. Hop. Status égale get task status fait, je pense que c'est comme ça que ça se fera. Donc j'en étais où? C'est ça, je récupère le statut en passant l'ID. Et donc là, je passe le task ID. Voilà. Je vais faire. C'est comment on fait un wait? C'est wait de 2 ou un truc comme ça? Ou c'est sleep? Bien. Oh, je sais plus. De 3 secondes, ouais, c'est ça. On va faire slip de 1 seconde. Donc là, l'idée c'est qu'en fait, quand on crée l'alias, donc on a vu, quand on crée l'alias, en fait, depuis tout à l'heure, je pars à côté du micro, c'est affreux. Donc en fait, au moment où on crée l'alias, il nous dit, il nous crée un identifiant de tâche avec un statut en todo. Et donc après, si on veut vérifier que l'alias a bien été créé, soit on refait un appel en permanence à la liste complète, ce qui est un peu dégueulasse, soit on va directement voir la tâche qui concerne le... Comment? La création et on vérifie si le statut c'est done.
puisqu'il nous fournit l'ID de la tâche, on n'a plus après qu'à... Et pour attendre, bah, on boucle. En fait, on va tester toutes les secondes. Donc là, on dit, on vient de créer la tâche. La tâche est longue. On dit que, on sait que le statut, ça va être tout doux. Alors, d'ailleurs, j'ai fait une connerie, là. Ouais, je... Enfin, les vieux réflexes de bâche qui reviennent en deux secondes, là, c'est affreux. Putain, mais ça, c'est passé aussi, quoi, depuis tout à l'heure. Vache. C'est dégueulasse. Bon, ça marche, hein, on me dira, mais... C'est quand même pas trop le... De toute façon, si jamais je passe un linter Python là-dessus, il va être furieux. On essaiera peut-être... Quoi que non, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Tac, 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 tac. C'est-à-dire que j'ai fait la même boulette dans toutes les fonctions, donc forcément... Je vais faire le même délire. On a quand même pas mal de répétitions, hein, c'est le genre de truc quand même. Je pense qu'on pourrait, on pourrait tenter de faire un truc un peu mieux, mais... L'idée, c'est quand même que j'avais pas spécialement envie de m'emmerder. Alors... Ok, je cherchais ce qu'il me restait à faire, je suis désolé, j'ai bugué, je commence à être fatigué très fort et en plus... Comment dire qu'il va falloir que j'aille manger. Parce que j'ai pas encore mangé, donc ça commence à être compliqué. Mais je suis content, j'approche de ce que je veux faire. Donc là, je crée le nouvel alias... Avec l'alias. Bon, ça, je vais virer parce que j'en ai plus besoin. Donc, je crée le nouvel alias. Et dans la création du nouvel alias, je boucle pour m'assurer que le truc est bien géré jusqu'au bout. Je renvoie quand même l'objet alias création, même s'il ne sert pas trop. Ah oui, mais là, en fait, je... D'accord. Donc non, en fait, j'ai plus besoin de faire de print. C'est que je fais directement un create new alias. Et là, je fais juste le print du get new alias de new alias. Voilà. C'est-à-dire que là, je lance la création. J'attends qu'il ait terminé. Et après, je l'affiche. C'est-à-dire qu'en plus, il faut pas que je me plante, c'est que new alias, c'est un paramètre. Donc il faut bien que je lui dise que c'est paramètre. Voilà. Ok. Ok, ok. Ouais, on est pas mal, là. Normalement, il est censé m'en créer qu'un, de toute façon. Est-ce que par principe, pour l'instant, je raffiche le... Je raffiche la liste des alias.
Non, ça marchait, j'ai plus besoin. J'ai plus besoin. Allez, c'est parti. Hop là! Alors. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Get task status. Ah oui, bah oui, parce que je passe que le task ID, mais il faut que je passe tout le reste. Enfin, quel boulet. Quel enfer. Hop. Oula. Il m'a rendu la main tout de suite. Mais il a rien fait. Et surtout, il m'a pas affiché le nouveau truc. Oula, qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh merde. Ok. J'ai pas tout compris. Je sais plus comparer des chaînes de caractères, c'est ça? Je suis certainement un gros boulet, hein. C'est-à-dire que à cette heure-ci, Alors là, on a un vrai souci. Là, j'ai un vrai souci. Jusque-là, ça marchait. Et est-ce que j'ai rajouté une... Alors, est-ce que je... si je commande ça, il se passe quoi? En gros, alors c'est pas le while qui déconne. Ah, ou alors c'est le create new alias qui. En fait, il faudrait que je l'enregistre quand même dans le. Faudrait que je le fasse comme ça, create alias. Mais le problème, c'est que le create alias, je le mets pas quelque part, ça. Où est-ce que je l'avais mis? Alors ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Bah merde, c'est nouveau ça. Il s'arrête et il me dit plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai fait une connerie quelque part?
Évidemment, en fait, tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va bien, à part que... Ok, bon. En fait, la liasse existait, donc de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Alors, pourquoi sleep n'existe pas? Python sleep, parce que c'est time, parce que je ne sais pas faire des trucs. Sauf que du coup, il me l'a quand même créé, ce con. À tous les coups. Ouais, voilà. Hop! Alors... Quand je fais time.sleep, non, je fais from time import sleep, je m'emmerde pas parce que j'ai juste besoin du sleep, donc en fait, ouais, c'est ça. From time import sleep. Là, si je fais ça, normalement. Creation date. Et ben voilà! 23h03, je suis presque à l'heure. Dieu! Ça aurait été compliqué cette histoire. Ça aurait été compliqué. C'est certainement pas la façon la plus optimisée de faire. Clairement pas. Mais c'est celle qui m'intéressait et elle fonctionne. Donc du coup, je vais pouvoir commencer à m'intéresser à... Je vais pouvoir commencer à m'intéresser à la suite. Et donc là, typiquement, si je rajoute Toto 1, Toto 2, Toto 3... Et que je relance, il va me créer Toto 1, Toto 2, Toto 3. Voilà. Ah, c'est marrant, dans le dernier, il m'a pas mis les trucs dans le même ordre. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, de toute façon. Je m'en fous. J'ai fait ce que je voulais. J'ai fait ce que je voulais. J'ai réussi à me créer mon truc à moi pour gérer mes alias dans du code. L'idée étant à terme de dire le code sera lui embarqué dans une image ou exécuté via un pipeline drone, parce que ça c'est quelque chose que je pourrais faire. Et après, par la suite, bah, j'ai juste à modifier mon fichier d'alias pour dire je veux créer un nouvel alias. Et comment? Et du coup, ensuite, c'est drone qui se lancera pour me... Comment? Aller me rajouter l'alias, comme ça j'ai pas besoin de le lancer à la main. Ou alors si vraiment je suis pressé, je le lance à la main, parce que là vraiment ça n'a pas vraiment d'intérêt de dire c'est plus pour la gloriole d'aller me faire un pipeline drone. Et ah mais j'avais pas vu, j'ai des follow, j'ai pas eu de notification. Ok, ils sont pas restés les gens, mais il y a eu des notifications. Et du coup, donc merci Mister Tomortel. Mister Tomortel, MR Tomortel, ouais, ok. Et Setsune. Oui, donc en fait, c'est plus pour la gloriole de dire la prochaine fois, je ferai du drone et j'exécuterai le code Python directement. Je ne sais pas encore trop comment m'y prendre, mais voilà, l'idée, ce sera de bosser avec ça. À partir de là, voilà. Je.
toute façon, drone, on va bientôt s'y intéresser aussi, parce que je va vraiment falloir que je me penche sur cette histoire de construction d'images. Maintenant que tout fonctionne. En tout cas, là, moi, je suis content. Voilà. J'ai réussi à faire ce que je voulais. C'est parfait. Je vais pouvoir commiter tout ça. Pour l'instant, je ne partage pas. Parce que c'est pas en état d'être partagé. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est du quick and dirty, hein, et en plus, on a vu comment j'ai souffert. Parce que vraiment, c'est pas ma cam. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ouais, je sais pas encore comment je vais le mettre à jour ce truc-là. Déjà, j'ai même pas créé le dépôt sur le Giti. Je ferai ça ce week-end. Mais si vraiment ça vous intéresse que je le partage, ou au pire, si vous avez d'autres suggestions après avoir vu, parce que je vais m'arranger normalement, je peux poster le replay ce week-end sur comment? Sur YouTube. Et si vous pouvez me mettre un commentaire YouTube pour dire oui, partage-le nous, même si c'est dégueu, c'est pas très grave. Sachant que c'est vraiment dégueu, hein, on voit qu'il n'y a aucune gestion d'erreur, il y a vraiment que dalle. Et du coup, ou sur Twitter ou ailleurs, en gros, voilà, vous me suggérez si vraiment vous voulez que je le partage. Et que je le partage ou pas, de toute façon, je reviendrai dessus parce que voilà, on fera un peu de drone, je pense, par-dessus pour dire voilà. Peut-être que je reviendrai dessus pour implémenter la suppression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je supprime un alias de la liste, bah là, on a vu comment traiter le cas où c'est un nouvel alias, et du coup, faut que je traite le cas où l'alias n'existe plus dans la liste. Et dans ce cas-là, on peut créer une liste à supprimer, et dans ce cas-là, on aurait deux étapes. Il va regarder la liste des alias à créer, et après, la liste des alias à supprimer. Voilà. Et une fois qu'il a fait ça, bon bah, on n'en parle plus, et puis voilà. Bon, là, en vrai, je pourrais formater mieux que ça. Hein. Vraiment, j'ai vraiment fait le truc de base un peu dégueu. En vrai, plutôt que de dire creation date, machin, etc., je pourrais juste faire un return ou un print alias toto machin, created. Là, c'est vraiment. Oui, j'ai vraiment encore beaucoup de boulot à faire pour rendre un truc potable et partageable de mon point de vue. Donc, voilà. Du coup. Alors, la régularité étant mon fort, hein, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas là le week-end prochain. Voilà, donc on se revoit dans 2 semaines. Régularité, hein, je suis régulier, je suis régulier dans mon irrégularité, on va dire comme ça. Et du coup, j'ai pas encore décidé si je reviens finalement sur le. Normalement, en 2 semaines, j'aurai le temps de me préparer sur ces histoires de stockage temporaire. Ou alors, tant que le sujet est chaud, on reviendra sur cette histoire d'alias pour implémenter les fonctions suppression. Au moins ça. Je vous partagerai peut-être ce que j'ai fait en termes d'amélioration, de code, de. Peut-être de commentaires, parce que là, pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. Et puis, il faut que je mette la doc et tout. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à faire. Donc, on reviendra peut-être dessus dans 2 semaines. Parce que c'est vraiment à terminer. Pour le coup, faut quand même qu'on termine l'histoire. C'est-à-dire que. Il faut que je. En fait, il va falloir que j'intègre ma liste existante et que j'intègre les fonctions de suppression. L'idée étant qu'on rajoute les alias les uns derrière les autres. Une fois qu'on a la liste complète, y compris avec les alias que je veux supprimer, on n'y touche plus. Et après, j'implémente les fonctions de suppression et on supprime les alias qui n'existent pas, qui servent à rien et qui sont bons à dégager. Mais je pense qu'on reviendra là-dessus du coup dans 2 semaines. Ce sera plus simple. Tant que le sujet est encore chaud, ça fait une vraie série plutôt que de changer de sujet en permanence. Puis après, on s'attaquera. Au stockage, parce que ça, pour le coup, si j'ai préparé les installations avant pour faire les mini démos, on pourra juste les dégager après à la fin et ce sera un one shot. Puis après, on passera sur du drone où ça pourra peut-être prendre un peu plus longtemps, un peu plus d'épisodes. On fera du drone sur celui-là, on fera du drone sur le build d'image.
Voilà, il y a, je pense que ce sera les prochains épisodes, ce sera là-dedans. Ça me plaît bien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde encore ce soir, puisque même les tout nouveaux qui me suivent, Metal the Hot Dog m'a suivi il y a 2 minutes, merci. Je suis censé avoir une alerte et je l'ai pas, ça me saoule. Bon, c'est pas grave. Ou alors c'est parce que je vois pas les. Je vois pas les spectateurs, il y a peut-être un délire là-dessus. Enfin, en tout cas, voilà, bon, bref. Sur ce, je vous laisse, je vous dis bonne soirée. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. On se revoit dans 2 semaines. Et d'ici là, d'habitude, Twitter, faut que je me remette un peu à Blue Sky et Mastodon. J'ai du mal avec le peu de temps libre que j'ai à faire autre chose que du Twitter, malheureusement. Donc, bon, bref, voilà. Vous pouvez me trouver quand même sur Internet, c'est facile. À la prochaine! Ciao, ciao!